Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro d'ActuWeek, le résumé de toutes vos actualités de la semaine. On débute en économie. D'après Imedia, le Sénégal est sorti de la liste des 25 pays les plus pauvres du monde avec un PIB de 24,13 milliards de dollars américains, soit 1 522 $ par habitant. Le Sénégal est coincé entre la Zambie, 19e sur le plan mondial, et le Botswana, 21e en Afrique. En Afrique de l'Ouest, il est devancé par le Nigeria, premier pays africain, le Ghana 9e et la Côte d'Ivoire 13e. En santé, les hôpitaux, le Dantec, Principal et Fan et CTO se disent prêts au cas où le Sénégal recevrait un ou plusieurs individus contaminés du coronavirus. Le dispositif allant de l'aéroport en passant par l'Institut Pasteur jusqu'aux hôpitaux Ousmane Gueye, directeur de l'éducation sanitaire, en a fait la révélation en affirmant sur les ondes de la ZIC FM que déjà les personnels, les plateaux techniques et l'hébergement sont déjà en place. En société, en Saint-Louis, 10 heures d'affrontement entre pêcheurs de Guendar et la police. Frustrés par l'expiration de leur licence de pêche en Mauritanie, ils ont affronté les policiers à coups de pierre, incendié le siège de l'OMVS et des véhicules et saccagé l'agence de la Sénélec. Les pêcheurs n'en peuvent plus des promesses non tenues par les autorités. Plusieurs policiers ont été blessés et beaucoup de manifestants, dont des mineurs, ont été arrêtés. À Mbour, les jeunes activistes de Mbour ont envoyé leur maire en prison, un tournant dans la lutte menée depuis quelques années par les jeunes activistes contre leur élu. Les jeunes de Mbour ont fait condamner leur maire Fallou Sylla à 3 mois de prison ferme pour avoir vendu une place publique de la ville. Insécurité au Sénégal. Les populations ne savent plus quoi faire avec les meurtres quasi quotidiens. Hier, un charretier a tué un chauffeur de clando à coups de couteau à Yoff Tongor. Pendant ce temps, un père de famille mettait fin à la vie de sa fille de 11 ans qui a eu le malheur de lui réclamer 25 francs. En Conseil des ministres, le chef de l'État a instruit le ministre des Forces armées et le ministre de l'Intérieur à maintenir et intensifier les dispositifs mis en place à Dakar et en banlieue depuis quelques jours pour faire face à l'insécurité et la psychose des populations. Le premier ministre canadien à Dakar la semaine prochaine dans le cadre d'une tournée. Selon les Échos, une ONG basée aux États-Unis l'exhorte à porter le combat contre la violence sexiste. Le dossier de l'égalité des sexes mentionné dans le communiqué des autorités canadiennes. Il discutera des enjeux tels que le commerce et les investissements, le maintien de la paix et la démocratie, l'égalité des sexes et le changement climatique avec le président Macky Sall. Par ailleurs, Jamra avertit le premier ministre canadien avant son arrivée à Dakar, rappelant qu'il avait fait une proposition indécente au chef de l'État Macky Sall à l'occasion du 16e sommet de la francophonie en novembre 2016 à Antananarivo, à Madagascar. Il avait invité les présidents des pays africains dont les législations bannissent l'homosexualité au respect des droits de la minorité sexuelle, avertit Mamatar Gueye. À l'international, le procès de destitution de Donald Trump s'est achevé ce mercredi au Sénat par l'acquittement du président des États-Unis jugé le mois dernier pour abus de pouvoir et entrave à l'action du Congrès. Après l'annonce, Donald Trump a pris pour cible l'élu républicain Mitt Romney, seul membre au grand Old Party à avoir voté en faveur de sa destitution. Accident d'avion, un Boeing 737 de la compagnie turque Pegasus s'est désintégré en 3 parties et a pris feu au moment de son atterrissage. Le bilan fait état de 3 morts et 179 blessés. Les faits ont eu lieu à l'aéroport de Sabina Goshen. On termine en Chine. Le médecin chinois sanctionné pour avoir tiré la sonnette d'alarme à l'apparition du nouveau coronavirus a succombé ce vendredi à l'épidémie, libérant un flot de colère alors que le bilan continue de s'alourdir. 2 semaines après la mise en quarantaine de Hubei, province où apparut la pneumonie virale, l'épidémie a contaminé 31 161 personnes en Chine continentale. Parmi elles, 636 ont perdu la vie selon les derniers bilans officiels. C'était tout pour ce numéro d'ActuWeek. Continuez à nous suivre sur Activision TV. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à vous abonner sur la chaîne Activision TV et à nous suivre sur notre site internet www.activision.com.